Bonjour, Christophe, 39 ans, je pratique la course à pied sur route pour faire des marathons principalement, et puis je pratique le trail sur moyenne et longue distance. J'ai eu la chance, grâce à Runogara, de pouvoir tester les barres UTMB barres de chez Oversteam, et je vais vous faire un petit tour rapide de cette expérience. Alors tout d'abord, pour les amateurs de barres de céréales, vous serez déçus. Ça n'a pas la texture d'une barre de céréales, il s'agit plutôt d'une barre qui ressemble à, je dirais, à un carambar, un petit côté régressif, une barre assez molle, plutôt sympa à manger, qui fond facilement dans la bouche. Et l'autre point fort, c'est qu'on a des goûts un petit peu originaux. Donc j'ai vraiment bien apprécié le goût mangue-gingembre, très frais, qui laisse pas de goût sucré dans la bouche, on n'a pas une mauvaise sensation de sucre, qui ça passe très bien. Le deuxième goût que j'ai testé, c'est myrtille amande vanille. Alors là, c'est purement personnel, je retrouve les mêmes qualités qu'avec la barre précédente, mais le goût était légèrement trop sucré pour moi. Et puis la dernière, là, vous voyez, j'en ai racheté une, la fève de cacao noix de cajou. Je trouve vraiment que c'est une barre voilà, avec un goût régressif, ça fait du bien au moral lorsqu'on est dans le dur. Voilà. Le point fort de ces barres sont leurs goûts originaux. On n'a pas de sensation de sucre dans la bouche, l'effet est efficace et c'est plutôt sympa à manger, à tester, etc. Par contre, alors si comme moi vous aimez fractionner vos prises et manger en plusieurs fois, alors j'ai jamais réussi à ouvrir proprement les sachets, à les réserver. Donc je vous conseillerais à ce moment-là de les ouvrir en avance, de préparer votre petite dose dans une cellophane ou dans votre manière habituelle, parce que sinon c'est un petit peu compliqué, ou alors j'ai un petit côté un petit peu bourrin peut-être. Voilà, donc une belle réussite, une belle surprise pour ceux et celles qui connaissent. Ça se rapproche aussi au niveau texture du pain du montagnard, avec une texture plus fondante en bouche. Voilà, donc une belle découverte, une belle réussite, des barres que je vous recommande pleinement.